amis de Romain TV, je suis Jean-Marc Mel et je vais vous présenter le journal télévisé. Ce vendredi, plusieurs programmes d'activité et de musées. Vous commencez le parcours des sculptures de Sarrebourg. Mais qu'on ne retrouve que dans les eaux douces. Donc, par exemple, dans les rivières, dans les étangs, pas dans les eaux stagnantes, obligatoirement, ça peut être les rivières. Et c'est une entité, un être qu'on retrouve notamment dans la mythologie germanique et alsacienne. Alors, avez-vous la connaissance de ce grand monsieur ? Oui, Pierre Messner. Vous l'avez connu ? Enfin, moi. D'accord. Vous avez eu l'occasion un de peu. Le rencontrer. C'était notre mère. D'accord. Donc en fait, il s'agit de la... Allez, pour continuer avec la fête de la Mirabelle à Hellerin. Et son élection de Miss Mirabelle. Au programme, 10 candidats. Toutes plus jolies l'une que l'autre. De la vallée des Épuisiers. Alors, c'est-à-dire que si la descente du plan incliné aurait duré 3 heures, ça aurait été 3 heures. Le gain de temps, la perte de temps, c'est l'économie d'eau. Il existe ce plan incliné qui est un ouvrage unique. Il existe des pentes d'eau, comme par exemple dans le sud de la France, la pente d'eau de Montech qui ne fonctionne pas correctement d'ailleurs. Il existe des écluses aujourd'hui qu'on fabrique, qu'on construit avec des récupérations d'eau, c'est-à-dire des écluses où on descend d'un niveau. Il y a un bassin que l'on ne voit pas, ou qu'on peut voir également, où l'eau que l'on consomme, donc les 500 mètres cubes d'eau, vont dans ce bassin, et on laissera passer l'eau qu'il faut pour l'écluse suivante. Et le reste est repompé vers le haut pour refaire une bassinée. Une manœuvre d'écluse, ça s'appelle une bassinée. Donc, quelques termes également. Donc, entre deux écluses, on appelle ça un bief, ou un biais. Le fond d'une écluse, ou le fond du canal, s'appelle un... plafond. Ah. Et c'est au fond. C'est vrai. Donc c'est quand même assez simple. On est au fond du plafond. On va commencer le festival de musique de Villetrange. Voici une présentation du festival. Top. Bonjour à tous et bonjour aux amis de TV Romelfin et merci de ce temps de parole puisque assez paradoxalement, le festival de Fénétrange, c'est le festival le plus ancien en région Grand Est, donc 41 ans d'existence. Et comme c'est souvent le cas, c'est dans sa proche région qu'il est le moins connu. Alors je suis ravi de ce temps de parole pour pouvoir vous expliquer que ce festival se déroulera à partir de ce 7 septembre jusqu'au 5 octobre et il se déroule sur l'ensemble de notre territoire, pas seulement à Fénétrange. Évidemment, le 7 septembre, on a un très beau rendez-vous à Fénétrange. Il y a également un week-end du patrimoine très exceptionnel à Fénétrange avec des visites du pensionnat, avec des visites guidées du pensionnat, avec une conférence sur le projet que nous souhaitons réaliser au sein du pensionnat et puis des concerts qui sont dans la chapelle castrale, surtout le samedi et le dimanche du patrimoine, donc le 21 et le 22 septembre, qui sont des concerts gratuits. Alors j'incite chacun qui veut essayer le festival de Fénétrange pour peut-être la première fois, puisque on entend souvent dire que c'est pas pour tout le monde. Eh bien moi je dis vraiment c'est pour tout le monde, il faut essayer. Alors vous avez deux concerts gratuits le samedi et le dimanche et qui s'intègrent d'ailleurs dans des visites guidées de la cité. C'est aussi une façon de découvrir Fénétrange parce qu'on habite sur place, souvent on ne connaît pas l'endroit où on habite. Et puis ça se terminera à Fénétrange le 28, mais on va aussi donc à Sa Réunion, on va, donc ça c'est le 13, et puis on va à Dieuze, ça c'est le 20, et on va encore à Sarralbe, comme depuis de nombreuses années,
Ça, ce sera le 5 octobre. Et c'est vrai que le Festival de Fénétrange a l'habitude aujourd'hui de voyager sur son territoire. De nombreuses communes nous demandent de programmer chez eux. Il y a de la musique. C'est une thématique qui est chaque fois reconduite ou différente. Donc cette année, ce sera Vienne et Budapest. Et comme vous le savez, pour certains d'entre vous, c'est aussi l'occasion d'échanger la gastronomie de ces pays avec des très très bons vins de Hongrie, notamment les Tokaj. Et puis une dégustation de fromage ou des repas chez les restaurateurs. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller sur notre site. D'ailleurs, par ailleurs, vous aurez après la vidéo des liens pour le site internet du festival. Et je vous souhaite un très beau festival et je vous souhaite de nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup plus riche. À Romelfin a eu lieu un incendie mortel. Le 15 août. Le 15 août. Les travaux du parking en face de la mairie a démarré. Parmi les annonces, le club de gym recommence ses activités. Nouvelle activité va démarrer le club de danse. Faire un sketch en hommage à Raymond Devos après les vacances. J'avais dit, pendant les vacances, je fais rien. Rien. Je veux rien faire, je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire à Caen les vacances, à Caen les vacances, j'ai dit bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, je n'avais rien à y faire. Je boucle ma valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé pour quand, quelle heure. Il me dit pour où? Je dis pour quand. Il me dit, comment voulez-vous que je dise que... Quand je ne sais pas où. Alors, je dis enfin monsieur, vous ne savez pas où et quand. Il me dit si je le sais, vous ne me le dites pas. Alors, je dis mais je vous ai dit quand. Il me dit oui mais vous ne m'avez pas dit où. Je dis monsieur, je vous demande une petite attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ des cars qui partent pour quand. Je dis enfin quand dans le Calvados, il me dit c'est vague. Je dis en Normandie. J'y vais pas où débarquer. Ah, qui me dit, c'est là où il y a eu un débarquement, en Normandie, à Caen. J'y vais là. Il me dit, prenez le car. J'y pars quand. Il me dit, pas au car. J'y vais, le car est passé. Il me dit, si le car est passé, c'est que vous l'avez raté. J'y vais, le prochain. Il me dit, le prochain, il part à 7. J'y vais, il va à Caen. Il me dit, non, il va à 7. J'ai dit, je veux pas aller à 7, je vais aller à Caen. Il me dit, tout d'abord, qu'est-ce que vous voulez faire à Caen? Il me dit, rien, je veux rien y faire. Il me dit, si vous voulez rien faire à Caen, aller à 7. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Il me dit, rien. Je dis, bon, si je n'ai rien à y faire, alors d'accord. Alors, j'ai demandé, le car pour 7, il part à combien? Il me dit, il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. J'ai dit, 20. Il me dit, alors, vous l'avez encore raté. J'ai dit, c'est trop tard maintenant. Il me dit, pour 7, puis me dit, si ça voulait d'aller à 3, j'ai encore une place dans ma voiture. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Il me dit, prendre le car. J'ai dit, pour où? Il me dit, pour quand? J'ai dit, comment voulez-vous que je dise quand si je ne sais pas où? Il me dit, enfin, mais si vous ne savez pas où et quand?
Je dis si, ça fait une demi-heure que je vous explique que c'est dans ta abondance, que c'est là où j'avais passé mes vacances parce que je n'ai rien à y faire. Ne criez pas, on va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le car était là, les flics m'ont embarqué à 3, je suis arrivé au car où j'ai passé ma nuit, voilà mes vacances. Et le lendemain matin, je suis allé à Caen par mes propres moyens. Et justement, sur la plage, il y avait un monsieur qui riait. Ah 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 ah. Il montait avec la mer et il riait. Ah 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 ah. Il redescendait avec la mer. Ah 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 ah, il riait. Il montait avec la mer. Ah 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 ah, il riait. Je demande, monsieur, mais pourquoi riez-vous? Il me dit, le flux et le reflux me font marrer. Nous venons de découvrir ce soir sur Romulfa Télé une nouvelle facette du talent de notre présentateur Jean-Marc Meyer. Merci Jean-Marc. Et à la prochaine. À la prochaine.